Et à guinée-matin.com. Je suis Kabiné Kondé, je suis ambassadeur de Guinée au Mali, au Niger et au Burkina, avec résidence à Bamako. Merci de recevoir guinée-matin.com chez vous. Nous rappelons à nos téléspectateurs que nous sommes à votre résidence ici à Bamako. Ce qui fait l'actualité à Bamako, justement, ce sont ces élections présidentielles qui viennent de se tenir et qui créditent d'ailleurs 67,4% pour le président Ibrahim Aboubakar Keïta. Comment vous avez accueilli cette réélection, justement, du président sortant? Je vous remercie pour la question, très intéressante. Avant tout, je vous signale que, en tant qu'ambassadeur, j'ai une obligation de réserve par rapport à tout ce qui se passe dans les pays d'accréditation. Néanmoins, je vais me forcer à donner mes propres sentiments. Comme j'ai suivi ces élections depuis la préparation jusqu'au jour de la proclamation, donc j'ai eu quand même à avoir la chance de voir un peu comment les choses sont passées sur le terrain. D'abord, je tiens à rendre un hommage tout particulier, un hommage très mérité au peuple de Mali, à son gouvernement et très singulièrement à son chef de l'État, sortant et entrant, sur le point de vue El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka. Je salue l'homme pour son leadership. Je salue l'homme pour sa sagesse. Je salue l'homme pour sa clairvoyance. Je salue l'homme pour sa patience. Et je salue l'homme pour son amour pour ce grand Mali. Je suis à Bamako depuis 2013, donc j'ai suivi pas mal de choses. C'est un homme patient, qui sait attendre, mais qui sait réagir au bon moment. Ceci étant, je le remercie pour toute l'attention qu'il porte à ma personne depuis que je suis là. Également, je le félicite par rapport au score écrasant. J'ai dit bien écrasant, parce que beaucoup de paroles ont été dites, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. La réalité est de toute autre chose. En tant que démocrate, le peuple a choisi. Nous ne pouvons que nous mettre dehors du peuple. Le peuple malien a choisi, le peuple malien a dit oui, nous reconduisons encore Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka pour encore 5 années. Donc je ne peux que me réjouir que la démocratie ait gagné. Je ne peux que me réjouir que le peuple malien, un peuple mûr, un peuple courageux, un peuple digne, ait eu à faire en toute liberté son choix. J'approuve, j'apprécie et je félicite le gagnant qui est le président Ibrahim Boubacar Keïta. Merci, Son Excellence. Et justement, vous êtes au Mali, vous l'avez dit, depuis 2013. À ce jour, comment se portent les relations entre la Guinée et le Mali? Relations diplomatiques excellentes. Je me rappelle, un jour, j'étais avec le président Ibeka et une forte délégation guinéenne. On voulait présenter, c'était le ministre qui était de passage. Il dit, je vous présente notre ambassadeur au Mali. Monsieur le président Ibeka, ce jour, a dit, non, ce n'est pas la peine de vous le présenter. Lui, il est membre de mon gouvernement. C'est pour vous dire qu'à tel point, il a de l'admiration pour la Guinée. À tel point, il a de la considération pour le chef d'État guinéen. À tel point, il a du respect pour le peuple guinéen.
Les relations entre la Guinée et le Mali sont au beau fixe. Il ne pouvait pas en être autrement. L'histoire nous dit que la Guinée et le Mali forment un seul et unique État. Vous savez bien, le Grand Mandé commence à partir du sud du Mali jusqu'à l'océan. Donc, on ne peut pas, sur le plan sociologique, sur le plan historique, sur le plan religieux, sur le plan culturel, les deux pays sont indissociables. Je dis bien indissociables. Quelqu'un disait, en chaque Guinéen, il y a un Malien. Et en chaque Malien, il y a un Guinéen. Et mieux, on va te poser la question, il y a combien de Guinéens au Mali? Personne. Je dis bien personne ne sera en mesure de vous dire aujourd'hui combien de Guinéens se trouvent au Mali. Tout comme pas de 2 millions, tout comme pas de 3 millions, tellement qu'il y a un brassage entre ces deux nations, un brassage entre ces deux peuples. Donc, les relations, elles sont très bonnes. Et cela m'amène à penser à un de nos dévanciers, l'illustre président Ahmed Sékou Touré, qui disait en son temps que la Guinée et le Mali forment deux poumons dans un même corps. Cela veut tout dire. Donc, me poser la question comment se portent les bonnes relations, je dis bien comment se portent de bonnes relations entre la Guinée et le Mali, c'est comme si me posait la question de savoir quelle est la couleur du cheval blanc de Napoléon. Je vous dis, ce sont de très bonnes relations et je crois que ce sont des relations qui vont aller à s'empirer dans les conditions les meilleures, qui vont aller dans l'enrichissement des deux peuples et pour le bonheur des deux nations. Monsieur Condé, vous êtes au Mali depuis plus de 5 ans maintenant. Qu'est-ce que vous avez fait justement pour améliorer davantage les conditions de séjour de nos compatriotes, aussi bien ici au Mali, au Niger et au Burkina Faso? Très bien. Vous savez, nous sommes représentants de la Guinée. Nous sommes l'envoyé spécial et le représentant spécial de M. le Président de la République, chef de l'État, auprès du gouvernement et du peuple malien, burkinabé et nigérien. Tout ce que nous pouvons apporter à nos compatriotes qui sont présents dans ces trois pays, c'est l'attention particulière et soutenue quand un problème leur arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ou qu'est-ce qu'on a eu à faire? On a tissé de bonnes relations. On a tissé de très très bonnes relations. On se reconnaît à ce peuple guinéen, à cette communauté guinéenne vivant dans ces trois pays. À chaque fois que le besoin se fait sentir, soit moi personnellement ou un membre de mon ambassade se trouve aux côtés de nos parents, de nos compatriotes. Notre président n'a jamais fait défaut. Jamais. À chaque fois qu'il y a des problèmes, comme la vie c'est comme ça, quand on vit dans un environnement, il y a toujours des petits problèmes qui se posent, soit qu'on est en conflit avec la loi, soit qu'on est en bis-bis avec son voisin guinéen, soit on est toujours présent pour résoudre le problème. On n'a jamais accepté qu'un problème s'avénime. D'ailleurs, depuis que je suis là, il y a presque plus de 5 ans, jamais, je dis bien jamais, Un Guinéen n'a jamais eu de gros problèmes à tel enseigne qu'on a eu à l'indexer. Comme un paria, comme un vaurien. Non. Le
peuple guinéen, la communauté guinéenne est une communauté respectée au Mali. La communauté guinéenne est une communauté respectueuse des règles et des règlements des différents pays où ils se trouvent, qu'ils soient au Burkina, qu'ils soient au Niger, qu'ils soient au Mali. Je n'ai pas personnellement de problème spécial avec les Guinéens. Nous sommes à leur disposition. Il n'y a pas de rendez-vous entre les Guinéens et moi ici à Bamako. Selon ma disponibilité et selon mon temps, je les reçois. On débat des problèmes et on fait de sorte que leurs problèmes, s'il y a un problème, puissent se résoudre dans de très bonnes conditions. Donc, qu'est-ce que nous avons eu à faire pour eux? On a eu à leur accorder et à leur apporter toute l'attention qu'un ambassadeur va apporter à sa communauté. Monsieur l'ambassadeur, c'est vrai, vous êtes en Guinée, mais vous regardez de loin ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur la situation sociopolitique de notre pays? C'est vrai. On voit de loin ce qui se passe dans notre pays. Des fois, on est malheureux. Parfois, on est triste. Surtout quand une incompréhension inutile, entre guillemets, se pose entre nous, Guinéens. Quelque chose qu'on peut et qu'on doit résoudre. Hein? Les gens qui font du tort, je dis bien du tort, à leur prochain Guinée, ces gens, ils ont un regret. Ils ont un goût amer. Quelle que soit la démocratie ne signifie pas que vous devrez vous entre déchirer. La démocratie ne dit pas que vous devrez créer des animosités entre vous. La démocratie ne signifie pas que vous êtes des adversaires et qu'une hostilité farouche. La démocratie signifie le vivre ensemble dans la paix, le vivre ensemble dans la fraternité, le vivre ensemble dans la convivialité, qu'on partage ensemble. La politique, elle est venue créer certaines choses en Guinée que les Guinéens ne connaissent pas. Que les Guinéens ne connaissaient pas. Moi qui vous parle comme ça, je suis né dans un pays, dans une ville cosmopolite. Tout le monde sait que Dabola, c'est une ville cosmopolite. Une ville où il y a les Peuls, où il y a les Malinkés, où il y a les Galonkés, où il y a les Soussous, où il y a les Forestiers. Mais on était tellement mélangés avant, on se confondait même. Bon, mon meilleur ami, et qui continue à être mon ami aujourd'hui, parce que nous avons reçu cette éducation, c'est un peuple. C'est un peuple. Je tais son nom, mais c'est un peuple. Tout ce qui se passe dans ma concession, dans ma maison, la première personne à être informée, c'est lui. Et vice-versa. Nous avons eu ça de nos parents. Mais tous ceux qui sont venus comme enfants après la marée, la bonne marée, c'est la marée noire. Cette marée noire, elle est tête de démocratie et que cette démocratie a créé des problèmes anti-guinéens. C'est très difficile, c'est très très compliqué. Néanmoins, la raison finit toujours par l'emporter. À preuve, je me réjouis que tout dernièrement, par rapport aux élections communales et communautaires, ça n'a pas été très facile. L'opposition à riposter, à revendiquer. La mouvance a voulu être intransigeante, elle a voulu être catégorique, mais la sagesse l'a emporté.
ce qu'ils ont perdu depuis février, ils l'ont résolu en une semaine. En une nuit. En une nuit, si je veux dire. Voyez-vous ce que c'est? Le dialogue, la concertation. On est appelé à vivre ensemble. Rien ne peut changer ça. Personne, aucun décret ne peut changer ça. On est appelé à vivre ensemble, à s'accepter. Comme on dit, un bon arrangement vaut mieux qu'un mauvais procès. C'est ce qui s'est passé pour le cas de ce communal. Beaucoup de choses ont été dites également. Beaucoup doit couler. Mais à l'amboulilah, à l'amboulilah, Dieu merci, les gens se sont compris. Les gens se sont compris. Et tout rentre dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre. Chacun se plaint. Mais qui a gagné? C'est la Guinée qui a gagné. Monsieur l'ambassadeur, c'est vrai, il y a une association, les Guinéens sont réunis ici en association, qu'on appelle l'association Guinéen, association des Guinéens vivants au Mali. Quelle relation vous entretenez avec cette association? Oui, ça c'est le passé maintenant, là. Ça c'est le passé. Ces associations, elles ont été nombreuses. Lorsque je suis arrivé, il y avait 213 ou 214 associations. Moi, je leur ai dit, mais vous, là, vous êtes malade. Une association, c'est quoi? Vous croyez que ça n'a pas gagné? On se lève le matin, on prend une personne et dit, bon, écoute, association. De 214, donnez-moi le récépissé de ces 214. Une association, il doit être reconnu. Dans le pays qui t'accepte, qui t'accorde l'asile, ou bien le droit de vivre. Mais comment tu peux dire que tu es association, tu n'es pas reconnu par l'administration du pays qui t'accueille? Alors, en parlant pas, finalement, on est tombé sur combien? On est tombé sur 3 ou 4 ou 5 associations. Et parmi ces 5, j'étais très tolérant. Parce que j'ai dit, les associations qui ont fait la demande auprès de l'administration du territoire malien, j'accepte, même s'ils n'ont pas la réponse. Mais sinon, logiquement, il n'y avait qu'une seule ou deux associations qui ont eu des documents. Mais on était dans cette vague de réflexion. On reçoit une correspondance de Conakry pour dire que maintenant on va instaurer le conseil des Guinéens dans chaque pays. Dans chaque pays où la population dépasse un certain nombre. Je crois que c'est 10 000 ou combien, je ne me rappelle pas tellement. Mais la population doit dépasser un certain nombre dans ce pays pour qu'un conseil puisse être créé, installé. Et c'est ainsi qu'on a, sur les instructions de Conakry, un conseil des Guinéens au Mali a été installé. Et ce jour-là, toujours, moi on parle, ce conseil est fonctionnel. Alors, comment sont nos relations? Elles sont bonnes. Elles sont bonnes. J'ai répondu tantôt à votre question pour savoir qu'est-ce que nous faisons pour les Guinéens vivant au Mali, l'association, le conseil, a pris leur relève sur le plan social. Parce qu'ils ont une vocation sociale. Tout ce qui est politique, tout ce qui est administratif, ce n'est pas de leur ressort du conseil. C'est l'ambassade. Et ce conseil travaille de concert et en harmonie avec l'ambassade. Sinon, avant, l'ambassade était au four et au moulin concernant les Guinéens au Mali. Mais depuis que le conseil a été créé, alhamdoulilah, Dieu merci, il joue son rôle. Il joue son rôle et à chaque fois qu'il y a un problème, si moi je suis alerté, j'appelle le président du conseil, je dis bon, voilà, il y a tel problème qui se pose, essaie de résoudre et tu m'en parles. Il le fait, il me rend compte. Si ça demande un effort complémentaire, je me joins à lui pour qu'on continue ma démarche. Si lui-même seul il peut résoudre, il résout et puis il me fait compte, il me rend compte. Donc le conseil est là, il s'occupe du caractère social des Guinéens vivant ici à Bamako. Monsieur l'ambassadeur, c'est pratiquement la fin de cet entretien, à moins que vous n'ayez un dernier mot. Il y a toujours un dernier mot à dire.
a toujours un dernier mot à dire. C'est un appel. C'est un appel à l'unité. C'est un appel au bon sens. Mmh. C'est un appel à la bonne entente, à une bonne harmonie entre nous, Guinéens, aussi bien ceux qui vivent à l'extérieur que les Guinéens qui sont à l'intérieur. Nous, Guinéens qui sommes à l'extérieur, nous sommes le reflet de la Guinée. Donc nous devrons avoir un comportement exemplaire. Il faudrait que quand on nous voit à l'extérieur, qu'on ait un comportement digne. La Guinée est un pays qui a toujours été respecté. Toujours. On le dit à haute intelligible voix. Il faudrait que cela continue. Ceux qui sont à l'intérieur, il faut qu'ils se disent que l'hostilité pour l'hostilité, ça ne sert à rien. Discutons des problèmes sérieux. Discutons des problèmes qui concernent la Guinée. Nous tous qui sommes là, nous allons passer. Mm-hmm. Nous allons passer. Mais la Guinée va rester. Faisons en sorte que cette Guinée, qu'il soit bon vivre. Nous n'acceptons pas de la transpercer. Après nous, nous sommes nos enfants. Après eux, nous sommes leurs enfants. Après eux, il y aura d'autres encore. Donc, laissons la Guinée dans la situation enviante. Je vous remercie. Merci, M. Kabiné Kondé. Merci. Merci bien.